Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, on filme de, dehors pour euh, éviter de faire trop de bruit. On va parler de diffraction. Donc, euh, on avait déjà vu depuis le début de la session comment fonctionnait la réflexion, la réfraction. On vient de parler d'interférence et on voit aujourd'hui le dernier de ces effets-là qui est un effet qui est causé par le passage de notre onde à l'intérieur d'un petit espace. On avait déjà vu deux cas limites. Le premier, si on avait une longueur d'onde qui était beaucoup plus petite que l'objet qui, euh, qui bloquait notre passage. Donc si par exemple on avait une fente très large, euh, on allait avoir tout simplement le passage de l'onde comme on est habitué de le voir en optique géométrique, on allait avoir une ombre correspondant à la taille de notre objet. Si on avait une fente très très petite par rapport à notre longueur d'onde, on avait déjà déterminé que cette fente-là allait nous servir de source ponctuelle. On allait avoir... Toute la lumière qui semble provenir de cette petite source-là euh, et qui va être diffusée comme ça dans toutes les, dans toutes les directions. Maintenant, on va s'intéresser à la situation intermédiaire. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une fente ou un obstacle qui est approximativement de la même taille que ma longueur d'onde? Par approximativement, on veut dire une, environ de la taille de la longueur d'onde jusqu'à une centaine de fois la taille de la longueur d'onde. On va avoir des effets assez particuliers qui vont se produire. Pour mieux comprendre, je vous invite tout de suite à aller prendre votre cahier, aller voir à la section 7.1 et 7.2. Une fois que c'est fait, on se retrouve pour discuter un petit peu plus des résultats. Donc, ça y est, vous êtes maintenant passé à travers les deux sections. Donc, on va pouvoir commencer à discuter un petit peu plus en détail. On va aller sur les spécificités de ce qui se passe lorsqu'on a une diffraction. Donc, vous aurez compris que la diffraction... C'est l'effet qui se produit lorsque notre lumière rencontre un obstacle d'une dimension similaire à sa longueur d'onde. Et là on parle de n'importe quel type d'onde, que ce soit une onde sonore, une onde lumineuse ou une onde d'un autre type et précisément pour les prochains exemples, on va regarder qu'est-ce qui se produit lorsque ce type de phénomène là euh, arrive avec des ondes à la surface de l'eau. Donc ici ce qu'on a, c'est un appareil qui est en mesure de nous créer des ondes à la surface de l'eau. On a ici un générateur qui est tout simplement un oscillateur fixé sur un, un tube cylindrique qui va nous créer des ondes à la surface de l'eau. Donc, si on a une grande ouverture, nos fronts d'ondes vont simplement être bloqués sur les côtés et passer librement au centre. Donc, on est dans la situation, la limite où on est en optique géométrique, l'équivalent de l'optique géométrique où on regarde simplement les fronts d'ondes et les fronts d'ondes vont être bloqués de façon prévisible sur les côtés et euh, continuer au centre. Lorsqu'on resserre la grandeur euh, de l'ouverture par contre, là on va commencer à observer de la diffraction. Et ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut le voir visuellement très facilement. Vous voyez les fronts d'onde vont être ouverts de chaque côté lorsqu'ils traversent l'ouverture. Donc tout à coup nos fronts d'onde sont libres et ici on peut faire un lien, on va expliquer ça plus tard avec le principe de euh, Huygens. On en avait déjà discuté un petit peu. Mais chacun des points ici euh, dans mon ouverture est lui-même un front d'onde secondaire. Et lorsqu'il n'a plus d'obstacle, ben, il va être libre de diffuser comme ça de chaque côté. Maintenant, dans notre exemple, on va resserrer les deux plaquettes de façon à créer une ouverture qui va être plus étroite. Et ce qu'on va observer, c'est que l'angle sur lequel. Nos fronts d'onde sont dispersés, devient plus grand. Donc, on resserre l'ouverture, on referme l'ouverture et on observe une ouverture de nos fronts Et ici, on est dans notre situation intermédiaire où on voit nos fronts ont tendance à s'étirer, mais n'auront pas une forme parfaitement circulaire. Et plus que ça, il y a un petit effet subtil, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont observé ici, mais qu'on va observer plus facilement si on fait de la diffusion. Euh, la diffraction de la lumière. Donc, ici, ça c'était un exemple où on avait euh, la diffraction pour des ondes à la surface de l'eau. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on le fait avec la lumière. Pour avoir une source euh, où tous nos rayons sont cohérents et où euh, on a une seule couleur, on va utiliser un laser plutôt que d'utiliser euh, la lumière du soleil ou une lumière polychromatique. Donc, ici, on a notre laser rouge avec une fente. Et ce qui est intéressant de cette fente-là, c'est que c'est une fente de largeur variable. Et ce qu'on va observer, on va zoomer ici. Vous voyez ici, on va le reculer. On a une fente très large et, je ne sais pas si vous voyez bien, de chaque côté, on a des petites franges lumineuses. En fait, on va avoir une frange centrale, plus aucune lumière, et de la lumière de nouveau sur les côtés. Et ça, ça va être l'effet qu'on va chercher à venir expliquer. Donc, ici, on peut faire varier la taille de notre fente. de façon à faire déplacer chacune de ces franges-là. Donc, on voit comment est-ce que la largeur de notre fente peut avoir une influence sur euh, l'interférence. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un, ce qu'on qu va appeler une figure, ou un patron de, de, une figure ou un patron de diffraction. Donc, on va avoir comme ça des minima d'intensité, un petit peu comme on avait en interférence, à des intervalles successifs qui vont avoir, mais cette fois-ci, une intensité qui va diminuer. L'intensité pour notre interférence était relativement constante partout, alors qu'ici, on a un centre qui est très, très, très intense, avec des franges de moins en moins intenses de chaque côté. Donc, je vous ramène maintenant, encore une fois, dans une, une de nos petites piscines à vagues. On va observer comme ça les fronts d'onde et on va regarder quest ce qui se passe lorsqu'on fait varier soit la longueur d'onde ou euh, la grandeur de fente. Ce qui nous intéresse, rappelez-vous, c'est toujours le rapport entre la longueur d'onde et la dimension de la fente. Ici, on a notre générateur. On a tout d'abord, si on revient là, On va avoir notre fente étroite en premier. Et on va observer que la diffraction se fait bien en pratiquement toutes les directions. On a quelque chose d'intense au centre, de moins intense sur les côtés. On va passer à une frange un petit peu plus large. Mettons ça en plein écran. Et on va faire varier la fréquence du générateur, ce qui va faire varier la longueur d'onde. Et, oh, je ne sais pas si vous observez, portez bien attention. Ici, on va avoir des espèces d'angles morts. Ce n'est pas une illusion d'optique. Vous allez voir des espèces de lignes qui se forment, qui sont plus floues. La raison pour laquelle ils sont plus flous, c'est qu'on n'a pas de front d'onde dans ces régions-là. On a des espèces d'endroits qui sont des angles morts où tout à coup, on n'aura plus d'intensité, l'amplitude de l'onde devient très faible, et on va se chercher à expliquer pourquoi est-ce qu'on a ça. Et ça, ici, c'est l'équivalent de notre patron, si on voit ici là, les, les lignes, c'est l'équivalent de notre patron de diffraction lumineux. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir sur tout le parcours. On n'a pas besoin, on ne l'observe pas seulement sur un écran à la fin, on l'observe à tous les angles et à différentes distances en même temps. La dernière chose dont on va vouloir parler, c'est de l'intensité maintenant de notre, euh, de notre onde. Donc que ce soit une onde lumineuse ou euh, une onde sonore, typiquement ce que nous, on va observer, ce ne sera pas l'onde elle-même, ce ne sera pas l'amplitude de l'onde, ça va être l'intensité de l'onde. Et si on analyse la figure qu'on a, par exemple pour la diffraction d'une fente mince, qui est euh, l'exemple lumineux, on va observer que le patron d'intensité lumineuse va ressembler à la figure que vous avez ici. Donc on va avoir un pic central très intense, quelque chose qui tombe à zéro, on a une situation où on n'a plus du tout d'intensité, et ensuite on va avoir des franges secondaires de chaque côté qui vont devenir de plus en plus faibles. Maintenant, ce qu'on va chercher à aller expliquer, ça va être pourquoi est-ce qu'on a ces minima-là? Pourquoi est-ce qu'on a des minimums d'intensité de chaque côté à certains endroits? Et également, pousser un petit peu plus loin puis se demander, est-ce qu'on est en mesure de trouver à quelle position vont se trouver ces minimums-là? donc Maintenant, on va chercher une explication au phénomène qu'on vient d'observer. Il y a une partie qu'on comprend déjà. On a déjà vu avec le principe de Huygens que euh, si jamais la lumière passait, ou la, la lumière ou n'importe quelle autre onde, passait à travers une fente, elle allait être dispersée dans toutes les directions, elle allait être diffractée comme ça dans toutes les directions, parce que chacun des points de mon front d'onde agit comme un front d'onde secondaire. Par contre, on n'est pas en mesure, avec seulement euh, le principe de Huygens en ce moment, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces franges d'interférence destructive là Donc je vous dis tout de suite ce qu'on va observer. C'est l'équivalent de si on avait de l'interférence destructive à ces endroits-là. Et l'explication et euh, L'explication de ça est très intéressante. C'est une des expériences, encore une fois, où on n'a pas le choix de considérer la lumière comme une onde. Et la, deux personnes ont été euh, particulièrement importantes dans ces développements-là. Et ce sont euh, Augustin Fresnel, un français, et Joseph von Fraunhofer. Ils ont chacun donné leur nom à un type de diffraction différent. Euh, en fait, Fresnel a été en mesure d'expliquer absolument tous les types de diffraction. Donc, on va dire en général que n'importe quelle diffraction va être une diffraction de Fresnel. Et Fraunhofer s'était concentré sur un type un peu plus précis qui correspond grosso modo euh, aux approximations qu'on avait déjà faites pour l'expérience des fentes de Young. C'est-à-dire, on veut une source euh, ponctuel qui est loin de notre fente et on, de façon à avoir des fronts d'ondes qui vont être parallèles les uns aux autres et on veut une, un écran qui va être situé loin de façon à pouvoir faire notre, appro notre approximation des petits angles. Ça nous permet de simplifier un petit peu nos calculs. C'est ce que nous on va utiliser pour le cours, mais sachez qu'il existe un développement complet pour les situations où ça, ces conditions-là ne sont pas respectées. Euh, simplement, c'est beaucoup plus long euh, et beaucoup plus complexe d'un point de vue mathématique. Le principe reste le même, simplement les mathématiques sont plus compliquées derrière. Donc, voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut expliquer notre phénomène. Pour ce faire, on va utiliser le simulateur qui est ici. Euh, je remercie Benoît Laroche pour euh, le dit simulateur. Ce qui est super intéressant, c'est que ici on va pouvoir observer à gauche nos fronts d'onde qui arrivent de façon parallèle. Donc ici on utilise la même approximation qu'on avait dans l'expérience des fentes de Young, où tous mes fronts d'onde doivent arriver parallèlement à ma fente. Et ici on va aller se positionner à différents endroits. On va commencer par le centre. Si je regarde un point complètement au centre, le principe de Huygens me dit que chaque point à l'intérieur de ma fente devrait agir comme une source secondaire. En théorie, j'ai une infinité de points. En pratique, on peut déjà se donner une bonne idée de ce qui va se produire en regardant un nombre restreint de points. Ici, on s'en est donné, je crois, une douzaine environ. 4, 5, 6. Ouais, on a 12 points ici. Et évidemment, la démarche serait exactement la même, même si on augmentait euh, notre nombre de points de façon importante. Si je suis au centre, je vais toujours avoir de l'interférence constructive. Même si on considère la différence de marche ici, euh, premièrement, j'ai une différence de marche de 0 entre toutes mes franges si on utilise la même démarche que celle qu'on avait pour les fentes de Young. Et je peux facilement voir que le point ici et le point ici vont parcourir exactement la même, la même distance pour se rendre au centre. Si je prends ce point ici et ce point ici, même chose, vont parcourir exactement la même distance. Et je vais toujours pouvoir jumeler mes points deux à deux. Et ces deux points-là seront toujours en phase l'un avec l'autre, de façon à ce qu'au centre, j'ai une interférence qui soit parfaitement constructive. Tout mes, tout, tout, toutes mes sources ici agissent en interférence constructive. Ce qui fait que j'ai un centre qui va être très, très, très lumineux. Maintenant, si on commence à se déplacer. Et que plutôt que de regarder au centre, je m'en vais me placer. Tiens, allons voir directement qu'est-ce qui se passe au point sombre. Lorsque je suis au point sombre, il se trouve que mes points vont pouvoir être pairés deux à deux et pas de n'importe quelle façon. Je vais voir que, et on... mettons ça sur pause, et zoomons ici. Bon. Ici, mon premier point va être exactement en inversion de phase avec le point qui est situé juste de l'autre côté de la moitié. Le point suivant avec le point suivant, le point suivant de telle sorte que je peux toujours les apparier deux à deux. Si on regarde regardons là, je l'ai fait un peu rapidement, ce point-ci, si j'aligne mon curseur avec une crête qui est un minimum ici, je descends jusqu'en bas, suivez le trait pointillé blanc et vous allez voir que je tombe exactement sur un maximum de l'onde en bas. Donc, j'ai une différence de marche sur la moitié de ma fente qui correspond à une demi-longueur d'onde. De, de telle sorte que peu importe le nombre de points que j'ai choisi ici, dans la, dans la limite où j'ai un nombre de points pairs, euh, j'aurai toujours mes ondes qui vont se supprimer deux à deux. N'oubliez pas par contre qu'ici, en réalité, j'ai un nombre infini de points. Donc, si vous choisissiez par exemple un nombre infini ou un nombre très très grand de points qui serait euh, impair plutôt que d'être pair, vous auriez effectivement un point au centre qui ne serait, euh, serait pas à parier avec un autre, mais on a l'intensité causée par ce point-là par rapport à l'intensité totale serait complètement négligeable. Donc de cette façon-là, on sait qu'à cet angle-là, on va avoir un minimum d'intensité. En fait, je reste dans une situation parfaite, une intensité exactement de 0 parce que toutes mes franges ici, toutes mes, tous mes fronts d'onde se sont annulés 2 à 2. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe si on s'en va à un autre minimum. Donc, j'ai un autre minimum plus loin. Qu'est-ce qui arrive si je suis à m égale 2 euh, Ici, on, on les numérote normalement, là, vous allez voir, ça, ça, va, ça va arriver quand on va avoir nos équations. M égale 1, M égale 2 comme étant l'ordre de notre euh, diffraction. Bien, si je suis à M égale 2, je vais avoir quelque chose de très semblable. On va glisser ça un petit peu. Je vais encore avoir mes fronts d'ondes qui avancent. Et cette fois-ci, je vais regarder lesquels sont en inversion de phase. Donc mon premier ici va être en inversion de phase avec mon 1, 2, 3, 4. Quatrième ici. Celui-ci avec celui-ci. De telle sorte que, si vous regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le premier avec le quatrième. Le deuxième avec le cinquième. Le troisième avec le sixième. Et ça recommence. Celui-ci est déphasé d'exactement une phase avec le premier, et je vais avoir lui avec lui, lui avec lui, et lui avec lui. J'ai réussi à avoir encore une interférence parfaitement destructive, 2 à 2. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais, à la place d'avoir une grosse fente euh, où je paierais 2 à 2, j'ai fait l'équivalent de si j'avais deux petits, plus petites fentes où mes points se paieraient 2 à 2 aussi. Et on va avoir comme ça toutes les possibilités. Je peux avoir mes points pérés 2 à 2 dans les deux moitiés de ma fente, ou je pourrais séparer ma fente en 4, ou je pourrais séparer ma fente en 8, tant que je peux la séparer en des, des, multipli, des, des, des multiples de 2, je vais pouvoir observer de l'interférence destructive. Donc qu'est-ce qu'on veut? Si on met ça en équation, euh, allons... Donc, dans notre exemple ici, on va appeler euh, l'ouverture, la grandeur de l'ouverture, on va la nommer A. Ça, ici, c'est A. Et donc, euh, dans la première situation, euh, si on regarde le premier euh, minimum, on a dit que nos points étaient pairés de façon à ce que mon premier point ici soit pairé avec le premier point de l'autre côté de euh, ma moitié. Donc, dans la limite où j'aurais beaucoup de points, je serais exactement à la moitié. Ici, on est juste un petit peu en dessous. Et ici, la différence de marche correspondant à ces points-là, en sachant que je suis à un angle, je regarde à un angle θ, cet angle-là, un petit peu comme on avait fait dans euh, la section sur. Euh, l'interférence avec les franges de Young, on va avoir le même angle ici. Et ma condition d'interférence, ça va être que je dois avoir ici une demi-longueur d'onde. Lambda sur 2. Si j'ai une demi-longueur d'onde ici, et que ici, ça correspond à... Et que ici, ça correspond à l'ouverture de ma fente sur 2, je vais avoir comme condition d'interférence que a sur 2 sin de θ doit être égal à lambda sur 2. Je peux avoir lambda sur 2. On a déjà dit ici l'autre situation qui aurait été possible. C'est si j'avais séparé, plutôt que le séparer en deux, si j'avais séparé toute ma fente en quatre, j'aurais eu la même situation. J'aurais eu une situation d'interférence destructive aussi. Et j'aurais pu apérer cette fois-ci ce point-ci avec ce point-ci. Mais j'aurais dû avoir la même différence de marche. Donc j'aurais dû avoir. à l'ordre 2, de j'aurais plutôt dû avoir a sur 4 sin de θ égal lambda sur 2. Donc, plutôt que d'avoir mon premier avec mon... Euh, dans dans l'exemple où j'en avais 12, mon premier avec mon sixième point qui est en interférence constructive, j'aurais eu mon premier avec mon troisième point qui, est, qui aurait été en interférence destructive. Et mon sixième point aurait été avec mon... Et là, si je ne me trompe pas, mon neuvième point. Euh, donc, ici, à chaque fois, je peux évidemment le simplifier. Je vais avoir amplitude sur 2 fois sin de θ. Et ici, j'aurais eu amplitude fois sin de θ égale à lambda. Je ne sais pas si vous voyez la tendance ici. Si j'avais été à l'ordre 4, alors, de 3, pardon, ben, j'aurais pas eu 4 ici. Il aurait fallu que je le sépare en 6. Donc, j'aurais eu A sur 6 fois sin de θ égale, toujours pour une interférence destructive, donc lambda sur 2. Et ça ici, ça m'aurait mené à A sur 3. De, theta, de sorte que je vais trouver ma règle générale. La position de mes minima sera donnée par... Et là, je vais simplement renvoyer ça de l'autre côté pour faire une équation un petit peu plus jolie. A fois sin de θ va être égal à m fois lambda où m ici peut prendre 1 1 2 3 ainsi de suite. 0 ne sera pas admis par contre ce qui est logique parce que je ne, ici, je regarde la position de mes minima et mon centre, c'est une frange claire. Donc ici, si je veux les positions de mes minima et que je mettais m égale 0, ça sous-entendrait que je pourrais avoir θ égale à 0, ce qui ne fonctionne pas. Donc de cette façon-là, je suis en mesure de trouver pour une ouverture donnée, quelles vont être les positions en degrés de mes minima pour un, euh, une longueur d'onde précisée. Évidemment, si je change ma longueur d'onde, ça va avoir un effet sur la position de mes minima. Et si je change la taille de mon ouverture, ça va également changer la position de mes minima. La dernière chose qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir quelles seraient euh, la, les valeurs d'intensité qu'on observerait réellement sur la figure. Donc, au-delà de savoir uniquement où vont être nos minima, donc ici, on est déjà en mesure de trouver quels vont être les angles auxquels on va avoir nos valeurs de M1, M2, ainsi de suite. Je pourrais ici, euh, en faisant varier ma fente, donc en faisant grandir ma, ma fente au minimum, au maximum, et en euh, augmentant ma longueur d'onde, pardon, en diminuant ma longueur d'onde, je devrais être capable d'en faire apparaître plus. Et comme ça, je peux avoir... Euh, mes ordres comme ça qui vont aller jusqu'à l'ordre 6 ou l'ordre 7 que je pourrais observer ici. Mais si je veux avoir l'intensité en fonction de l'angle, il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin. Euh, dans le cadre du cours, je ne ferai pas le développement euh, du calcul de l'intensité pour les, la diffraction. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver ça à la euh, section 7.6, ça fait appel à un concept qu'on n'a pas vu encore euh, et que malheureusement on ne verra pas, qui est euh, les vecteurs de Fresnel. Pas particulièrement compliqué à, à saisir, mais ça prendrait un petit peu plus de temps. Euh, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller le vérifier. Mais on va avoir tout de même une formule qui va nous permettre de le trouver, l'intensité. Tout ce qui va m'intéresser ici, c'est le fait que la figure de diffraction que j'observe part sur un maximum. Comme vous aurez pu observer, l'intensité diminue même plus vite que ce que j'ai dessiné ici. simplement pour se donner une petite idée. On va avoir ici notre intensité maximale et notre fonction, la forme de la fonction ici, ça correspond à une valeur multipliée par... Un sinus carré de quelque chose divisé par la chose lui-même. Divisé par la chose lui-même au carré. Donc, ce qu'on a ici, c'est une fonction sin carré, quelque chose qui est strictement positif et qui assille, mais qui diminue ici comme une fonction 1 sur R carré. Donc ici, j'aurais une diminution d'intensité en 1 sur quelque chose au carré. Et il se trouve que le quelque chose qu'on va avoir sur l'axe, ça va être un changement de variable qu'on va faire. On va appeler ça alpha. Et on va avoir dans notre variable ici, alpha sur 2. Imax. Et on va avoir une équation qui va nous donner alpha. Alpha va être donné par 2 pi sur lambda fois sin de θ. Avec ces deux équations-là, vous êtes en mesure de déterminer l'intensité lumineuse d'une euh, diffraction donnée. Ok tout le monde, une dernière petite chose, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de, des ondes, je vous ai, je vous ai fait des tracés, vous l'avez vu dans votre cahier, mais il n'y a pas grand-chose qui remplace le fait de constater par vous-même euh, comment est-ce que les réflexions, les propagations d'ondes se, se font. Et pour la diffraction, euh, je vous garantis pas que vous serez capable de voir un patron de diffraction. Mais si vous voulez vous donner une bonne idée de comment le phénomène fonctionne, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Euh, J'ai essayé de prendre une, deux petites vidéos, vous verrez qu ce que ça donne à la fin. C'est difficile à capter sur vidéo, mais euh, je vous garantis qu'on le voit très bien les faits. Euh, ce que vous aurez besoin, c'est tout simplement un plat euh, transparent euh, style plat, euh, plat Pyrex. Euh, ce que je vous recommande, c'est de faire attention à ce que les côtés de votre plat ici soit pas euh, des angles droits. Si vous avez des côtés qui sont un peu plus arrondis, ça va limiter la quantité de réflexion que vous allez avoir si vous voulez recréter, recréer un bac à ondes comme euh, ce qui était utilisé dans les vidéos. Vous allez vouloir mettre un petit peu de savon à vaisselle sur les dessus, euh, sans faire de bulles, simplement ça va limiter la tension de surface, ça va vous permettre d'observer des ondes un petit peu plus facilement et vous allez avoir besoin de quelque chose pour générer les ondes euh, un objet assez large, autant que possible, un objet cylindrique que vous pouvez simplement faire osciller. Ce que j'ai utilisé personnellement, c'était simplement un marqueur, euh, un gros surligneur, et je réussissais à observer des ondes assez euh, efficacement. Ce que j'ai utilisé pour faire un obstacle, ça a simplement été un morceau de carton que j'ai découpé. Euh, évidemment, le carton se ramollit à un certain moment, mais vous devriez avoir amplement euh, suffisamment de, de, de temps pour bien observer l'effet d'une fente mince, l'effet d'une fente plus épaisse. Donc, euh, amusez-vous avec ça. Euh, si vous avez l'occasion de le faire, laissez-moi savoir comment ça s'est passé. Euh, je suis très intrigué de savoir euh, si, ça, si vous avez été en mesure de bien répliquer l'expérience pour ceux qui le tentent. Bonne fin de journée tout le monde.